Alors, vous avez peut-être vu que ma vidéo sur Jean Mimi a disparu. Donc voilà l'explication. Alors voilà le mail que j'ai reçu hier. Bonjour Néotrouve, nous avons reçu une demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur concernant votre vidéo et avons dû la supprimer de YouTube. Titre de la vidéo, Humour, Affaire Jean Mimi, quotidien lève toute ambiguïté. URL de la vidéo, blablabla. Demande de retrait envoyée par pas n'importe qui, c'est TF1. Voilà, cela signifie que votre vidéo ne peut plus être regardée sur YouTube. Ok, donc sachez déjà que cette vidéo reste disponible sur Odyssée. Le lien se trouve en descriptif de cette vidéo et on va la mettre aussi sur Crowdbunker. Ensuite, cette suppression est clairement de la censure déguisée. Les petits culs, je dis ça par rapport au titre de l'émission, du groupe TF1, se chargeant de faire supprimer cette vidéo, ont peut-être agi sur commande de l'Élysée. En tout cas, ils ont le sens de l'humour à géométrie variable et surtout, ils montrent par là que cette vidéo a peut-être touché un point sensible. Ensuite, il continue. Vous avez reçu un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur, ok. Les droits d'auteur, le copyright, tout ça, on sait que c'est un bon moyen d'empêcher toute réutilisation de matériel vidéo compromettant, en particulier tout ce qui concerne les mensonges, les lapsus et plus généralement toutes les archives compromettantes. Donc vous avez reçu un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Si vous en recevez plusieurs, nous devrons désactiver votre compte. Voilà, on est averti. Donc bon visionnage en espérant que notre chaîne ne subira pas plus d'avertissements, car sinon on risque de ne pas faire long feu sur YouTube.